le padadoué fait partie de l'école qui va fonctionner. En pile directeur de l'école que nous parlons avec des professeurs dans des villes, provinces, que l'école a fonctionné, nous pas d'accord avec la décision du ministère à prendre pour modifier le calendrier. Pendant que nous avons même panier avec la zone côté de l'école pas a fonctionné pour nous, c'est quand même un abus, plus parce que le calendrier a modifié un mois en plus. Avec dit gagner l'école, c'est l'école privée, vous voyez. Ils fait des contrats avec des professeurs, ils ne pas faire contrat pour pas faire contrat pour mois d'août. Quand il là, ils obligé à aller au-delà de ça. Par rapport à la zone côté l'école pas t'a fonctionné. Nous connais zone métropolitaine Port-au-Prince qui gagne une grosse agglomération qui ba quantité de monde par l'école. Par rapport à ça, le ministère a modifié le calendrier. Mais cependant, il n'a pas dit si l'école a fonctionné. Est-ce qu'on peut modifier un calendrier pendant que l'école a continué à marcher? Jeudi à là, nous sommes en mois d'avril. Si la situation qui a continué à être, côté l'école n'a pas de fonctionner dans le mois d'avril, il n'a pas fonctionné dans le mois de mai. Bon, calendrier modifié, à qui sont les dit? Est-ce qu'on peut dans une situation pour modifier l'encore? Le ministère a seulement mis un note d'ailleurs. C'est en cours. Et il y a des pas sous scène là, il met un note d'ailleurs pour montrer là tout pour nous parler de yo, mais ça yo fait son bagage qui manque sens pour nous dans Aspire. Ça fait nous gain des gros réserves sur lui et nous penser effectivement calendrier mérite modifier, mais faut ministère de cadre l'école là pour. Majorité l'école de continuer pas fonctionner, il y a quelques rares l'école là qui a fait des marches depuis semaine passée où résultat fonctionner mais c'est en civil. Dépendamment de côté yoyé, il y a fonctionnaire civil, il y a plus fait dans objectif pour prendre reste sans ta cabrer l'argent ou te gagner, yo te gagner dans mes parents. Qui te nous rappeler nous. Jeudi à nous dans mois d'avril. Majorité de l'école déjà fin toucher à ni l'école. Parents yo, c'est un véritable perdant là. Ça pour qu'on vienne toucher à d'accord pour quand même ouvrir l'école en civil entre guillemets on va en ligne tout. Pour yo cap mande reste tranche yo gagne dans mes parents de fait si moun ki a l'école en civil yo commencé recevoir des bordeaux pour dire pour yo vinn payer. Nous dénoncer question ça parce que nous ouais nous non situation depuis yon l'année depuis yon mois excusez on paye qui la gè pour fond compte li pa gen gouvernement nous sous mode pilotage automatique pour même le te gen gouvernement ministère d'éducation nationale pa jamais connait rien pour question ça je dis à là. Parents yo la gen pou kontyo nan sa. Nous même bagay nous dénoncé dans Aspire. L'école tourne en bagay comme si qui illégal. L'école tourne mauvais bagay en Haïti. Son bagay n'a perdu. C'est ça qui fait nous même dans Aspire. Nous lancé appel avec plusieurs autres organisations dans la société civile là pour nous faire un coup d'à-coude pour nous sauver l'école. Si nous avons fait ça, l'école s'ouvre pour disparaître. Parce que l'école, comme si l'on a fait le jeudi, c'est mal à faire. Comment font les gens qui ont l'école aujourd'hui après l'école pour obliger les gens qui viennent en civil pour venir à l'école? Parce que l'école a tourné mal. Ça, nous ne pas comprendre. Après ça, nous lançons une organisation de la société civile. Nous souhaitons faire un coup à coup pour nous faire des plaidoyers, des sensibilisations, pour nous faire l'école tourner dans le centre, tout éthéré. Pour nous faire l'école tourner en consensus dans tout ça qu'on fait, même si il y a des difficultés. Nous souhaitons que l'école n'a pas de fonctionner. Même les gens qui m'ont dit qu'ils ont fait des ordres, ils doivent prendre conscience de ça. Tout ça doit traverser tout. Sensibilisation, ça, nous-mêmes, nous souhaitons lancer. Nous ne pouvons pas faire pour contre nous. Nous souhaitons, c'est l'autre association, l'autre organisation de la société civile, là, tout. Nous devons faire un projet comme ça. Nous ne pouvons pas connaître, nous ne pouvons difficile, mais nous devons arriver, sensibiliser autant de monde possible pour nous tourner à l'école. Si nous ne pas tourner avec, si l'école tourne mal ici, rien à faire dans la cachette là, nous risquons de perdre la société ça parce que si mon jodi yo kal l'école yo appelé pour remplacer nous demain, c'est eux même qui pour là qui pour venir des autorités qui ça y a prend qui ça y a fait pour yo capable autorité à pays à pas ka moun. Ça c'est position Aspire. Nous souhaitons vivement tout secteur de la société a réfléchir sur question ça pour nous ta sens pour se capable de sensibilisation pour l'école là tout les gens TL pas deux gens en Haïti pour là pour mal. L'autre sujet nous abordons dans la conférence matin, depuis un certain temps, nous remarquons sur tous les réseaux sociaux, dans plusieurs radios, il y a parlé des Fonds National d'Éducation, FNE, comme quoi
font ça attaquer des corruptions là-dedans. Sauf qu'on nous rappelle, nous, qui a créé depuis sous administration Michel Joseph Martelly en 2012, je crois, et font venir tourner effectif, nous avons dit en 2017, c'est là où ils mettent le conseil d'administration là-dedans, ils commencent le travail, ils mettent le nouveau directeur, soit en 2018, si je ne me trompe pas. C'est Jean-France Nicolas, c'est le premier directeur ça. Depuis là, plusieurs monde dans la société haïtienne levé voix, toujours levé voix, y compris Aspayet, pour dire pour que transparence dans la gestion fonds. Son fonds qui devient un renfort à système éducatif là. Mais en plus le monde constate, le système n'est toujours sous béquille, toujours bancal, il y a toujours des doutes sur la façon dont il a administré le fonds, il a demandé transparence là-dedans. Sorti sous administration Jean-France Nicolas, traversé sous administration Jean-Ronald Joseph, c'est même question en toujours. Nous-mêmes dans Aspayet, par rapport à parole qui a parlé de corruption dans FNE, nous pas en mesure pour nous dire que oui, il y a corruption, mais cependant, nous avons des doutes légitimes sur ça parce que pas de transparence sur ça. Doute nous avons qui ça qui renvoie nous pour nous aller côté institution qui l'a pour ça, comme nous-mêmes, nous sommes qui prenons l'institution. Par exemple, Cour supérieure des contentieux administratifs, il y a ULCC, Unité de lutte contre corruption, puis on a diligenté des enquêtes de manière express pour aller dans le fond, pour commencer à enquêter depuis création fond, depuis sous première administration qui était là dedans, Jean-France Nicolas, il est juste sous administration qui l'a, pour voir qui quantité l'argent qui dépensé, qui ça l'argent a fait, si il y a des monde qui fait des corruptions, Jean Katsatin la rue pour la loi ou bien pour la justice servir contre monde ça. C'est la préoccupation panouye, c'est ça qui fait. Encore, nous croyons, il faut avoir des dispositions qui prennent pour si monde qui. Parce que si monde a toujours été dans la rue, pas l'école. Il y a des écoles qui étaient pratiquement classées depuis le tremblement de terre. Nous songeons pour que Jean réponde. Dernièrement, mon tremblement de terre qui fait en 2021 dans le Grand Sud. Bon, quantité l'argent qui font en gagner, qui t'a doué aller pour aller reconstruire quelque l'école, jusqu'à présent, on pas qu'à reconstruire. Et puis, je dis à là, pour toute parole, ça parle, si il y a corruption, non pas qu'on est, mais la FSCT, l'argent collecté pour notre diaspora, pour si nous sommes capables de supporter le système, non, faut nous-mêmes, nous, elle fait impact sur ça. Oui, au niveau de ça, est-ce qu'il y a un bon chiffre sur la quantité d'école? Est-ce que si nous avons une difficulté pour nous aller à l'école depuis environ 2020, pour nous faire ça pour nous? Nous n'avons pas de chiffre pour nous bailler et nous avons des chiffres qui ont fait sur la question de ça. Nous même nous réservons, nous n'avons pas de chiffres exacts pour nous bailler. Mais nous-mêmes nous connaissons et il y a presque 50% de monde qui parle de l'école parce que par rapport avec les zones métropolitaines qui vont à une agglomération extraordinaire de Port-au-Prince passer rive jusqu'à Mariani passer pour monter juste presque à Bakenskor passer Pétionville déboucher juste sous quoi débouquer rive juste bon Tomazo rive juste Cabaret même à Kael affecté ça pour nous ces zones ça qui gagne plus monde qui là dans les quantités monde qui là dans le département yo yo gagne des écoles qui fonctionnent effectivement mais l'école par quantité l'école parce que toute zone ça sortie là. Ça veut dire nous-mêmes nous évaluons à peu près 50% de monde qui parle l'école qui est dans cette situation. Ça, le ministère lui-même, il plus fait des comme si l'école a fonctionné dans notre département, comme si Port-au-Prince, il y a un petit gens là, il n'y a pas dit rien pour lui, il prend un calendrier, il fait lui, je le fais là, nous-mêmes, ça arrive dans nos gros préoccupations. Pour nous plus précise par rapport à la question, on a dit où. Nous environ 50% de Simon parle l'école l'année ça par rapport à l'agglomération Simon qui parle l'école nous gagne avec le reste département.